Les gars, Tim Horton en Thaïlande. Ça part, hein? Il y a du monde en... En Chris? Par contre, ils n'ont pas autant de choix que nous, on a. Non, mais c'est plus comme... C'est très fancy, par exemple. C'est fancy, c'est ça le point. Checkez ça, les gars. Chocolat, la big. Mais les gars, on n'a pas ça au Québec, les gars. C'est quoi ces beignes du ciel? On craint qu'une boîte de Timbit. Ouais, on les pogne toutes. C'est quoi ces dingueries? Maple Fresh Cream. Mais les gars, on s'est crossé au Québec, d'après moi. Regardez-moi les dingueries. Le Jumbo Sausage Roll. Une pâte avec saucisse. Ça, c'est vraiment 4 Rap du travailleur. Rap du travailleur thaïlandais, les gars. Rap du travailleur thaïlandais. I will take an Americano coffee. Medium. Non, un latte. Sorry. Medium latte. A farmer's wrap. Les gars, on dirait que ça n'a pas changé, man. Tim Hortons, on dirait qu'ils ont de la misère avec les commandes, j'ai l'impression. Du Canada à la Thaïlande, ils sont pas capables de nous offrir ce qu'on a de besoin, même. Je comprends pas la dinguerie. Avez-vous remarqué ça? C'est la misère, tout le temps. Faut tout le temps répéter 2-3 fois, même. Guys, regardez notre commande. Baby girl, on fait pas les choses à moitié ici. Hey, hey! Tim Hortons, les G. Rap du travailleur. Ils m'ont marqué un beau message. Farmer. Ça tombe bien, je suis infirmier, moi. Dans mon hood. Deux grosses crises de boîte de Timbit de cochon sale. Excellent, man. Bon, les gars, tristesse. Regarde, moi, les gars, je vais pas faire chier trop longtemps. J'ai un rap du travailleur. Ça s'appelle le rap du fermier, c'est vrai. Right? C'est pas le rap du travailleur, c'est le rap du fermier. Ça goûte la même colisse de fin. Ah ouais? Même identique à fin. Rap du travailleur, c'est excellent. Moi, ce qui m'a impressionné, le côté raffiné. Là. En mode, c'est très propre. Ça fait pas cafétéria. Par contre, le gritty, moi, je l'aime pas. Là. Il est agressant, même. Il est très agressant. Il goûte en crèche. Ouais, il goûte fumé, hein? On a 3 beignes. Cheesecake au bleuet, au sirop d'érable, puis lui, c'est quoi, biscuit? Chartailleur. Les gars, man, au sirop d'érable, sincèrement, là, c'est nous autres. C'est nous autres. Avec la crème blanche. De... Ah, il est bon, tabarnak, gros. Ouais. Ah, il est bon, hein? Quand on finit bien, je le finis, mon ami. Finis, finis. Bon, hey, la crème est folle. C'est pas une crème chi. C'est de la vraie crème de cacane, là. Ok, on se pogne une petite bite, là. Ouais. C'est quoi ça? C'est fucking bon, man. Je sais pas, des. J'imagine des. Hazelnuts. Il y a ça ici, toi. C'est quoi des hazelnuts? Noisettes, man. Non, c'est pas des noisettes. Des hazelnuts, c'est des. La beigne est salée, mec. Ah, c'est des noisettes. Elle est bonne, elle est bonne. Hey, la fourrée aux fraises, mon homme. Pas la même affaire. Parce que, elle, la poudre blanche, c'est du sucre blanc. Bruh. C'est quoi ça, man? Ça a l'air radioactif, man. Checker la radioactivité, les gars, man. Une météorite, mon Dieu. Hey, les gars, on en pogne une bonne pour vous autres, parce que... Sincèrement... C'est... 20 minutes. La glacée au chocolat, on l'a toutes déjà vu à quelque part. Mais je le finis pas, je finis pas ça, bro. Timbit, va, mon homme. C'est des cornflakes. Hey, Big, celui-là, là, j'étais curé de le voir. Lui, il a l'air bon, Chris. Ah, je suis bon. Ah, il a l'air bon. Oui, non? Ouais, ouais, lui, il s'accroche. Ah, ben, je suis à temps. On mange la crème dedans. C'est bon, mon gars, j'ai du sucre, hein. Comme ton sucre. C'est ben trop de sucre, man, là. Ah. Les gars, y a tout le monde qui veut des Timbits dans le chat? Oh, my God, je suis calé, yo. Checker sa table, les gars. Je veux dire, en ce moment, je vais aller juste tester une toilette. Là. OK, je vais nous commander nos affaires. OK, les gars. McDonald's thaïlandais. Let me see, guys. Checkez-moi les dingueries. Les yeux, le poulet. Bro, qu'est-ce que c'est ça, man? Qu'est-ce que c'est ça, Big? Ça? On va pogner le chicken original.
spicy, original, spicy. What the fuck? OK, j'ai vraiment pris un big bucket, mon homme. What the hell, guys? Le Prosperity Pork Burger, man. Right? C'est quoi ça? Ils ont ça au McDonald's? Des bâtonnets de fromage au McDo. Le mec... Pourquoi? Ouais, wow, c'est un peu ça, c'est comme endroit. Le mec pussy. Le pineapple pis le corn pie, bro. Boom! OK, je vais tout vous filmer ça, inquiétez-vous pas. Bon, les gars, bienvenue au McDo thaïlandais. Ici, on a... T'as-tu ça? Une banane? Ça a l'air sick, ça a l'air... Non, j'ai... Cheese stick, les gars. Des cheese sticks au McDonald's. Cheese stick McDo, j'ai pris une chose cheddar. On a du poulet frit, bro. McDonald's. Du putain de poulet frit, man. Regarde-moi ça. McDo, là. Corn pie. C'est pas un apple pie, c'est un corn pie. OK, les gars. Fries. Non, c'est pas dur. Les frites, là. Sont bonnes? Ça pop, man. Font molle. Le poulet frit McDo, bro. Man. Bro, c'est bon. Man. Du McDonald's, les gars. Mais PFK ou McDo, le niveau poulet frit, le poulet frit meilleur au PFK ou au McDo? Dans mon McDo, il vient au McDo, il faut manger du poulet frit. En Thaïlande. Je n'aime pas manger des Big Mac. Mm-hmm. Non, non, moi quand je suis en Thaïlande... C'est vrai que tout le blending est autour du poulet. Hein. Yeah. La sauce au fromage, mais... OK, elle est raide, la Jésus-Christ. Hey, là, ma crisse, là. Sauce au fromage, mais... C'est pour tremper dans quoi, ces boys? Bro, les bâtonnets au fromage, man, je sais pas si vous aimez ça autant que moi, mais moi, j'suis un fan, OK? Fait que m'en va te le dire. Les bâtonnets au fromage sont insane. Ça, c'est que tantôt, j'ai regardé ça, c'était vraiment un mec poussi, ouais. Non. Impossible. Les gars, comment ça s'appelle ça dans le chat? Check. McNoon. McPussy. Ouh, la sauce. C'est le masseur en haut, man. C'est le masseur en haut qui fournit chaque matin. Dans la sauce du chef. C'est un pain frit. C'est crissement bon, ma con. Ouais, ouais. Mm-hmm. 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 Wow. C'est un régal. Il y a un burger étrange. Checker le burger. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un burger au porc, genre, guys. Ça s'appelle le burger samouraï. Puis, honnêtement, les gars, c'est très bon. Ça goûte le général Taillou. Mais tu sais, ça, tu n'en manges pas trop. Non. C'est ça. Tu sais, les cheeseburgers du McDo, les gars, tu serais capable d'en enfiler plein, là. Ça, non, même. Un peu weird. Le riz. J'ai le riz McDonald's. Hein. C'est du genre du poulet général Tao au McDonald's. I don't know what the fuck it is. Regardez ce que je viens de trouver au McDo, là. Le riz, hein? C'est du riz. Oh. Le riz avec le poulet. Lui, il était pissé pour vrai. Poulet frit, fire. McDo thaïlandais, moi, je préfère nos tu sais, le poulet frit, j'aimerais ça que ça soit au Québec, for sure. Mais j'aime mieux nos petits ajouts perso au Québec, genre. Tu sais, le McPoutine, c'est plus intéressant que le Samouraï Burger, tu sais. Vous savez, les gars, au Québec, on a des apple pie, blé d'Inde. La tarte au blé d'Inde, mon chien. Je goûte. Mmh. No way. Non, mais, ben, c'est littéralement, tu sais, la canne de blé d'Inde en crème, là, pour faire le pâté chinois, là. C'est ça, dedans. Ils ont vraiment fait une tarte au blé d'Inde avec ça, ben. J'en reviens pas. C'est une canne de blé d'Inde. À l'ananas, lui. Ouais, il est bon. La porte est bonne. Oh my god, what the fuck? Guys, j'ai-tu commandé ça, man? C'est ain't no way que j'ai commandé ça. OK, le dernier le pie qu'on a, c'est le Hello Kitty, guys. Anita Maxwell. La porte est fire. La porte est fire. Je sais pas si vous voyez. Là. On va le vendre d'une autre. Les patates douces, tabarnak! Mais c'est quoi ça, big? C'est orange, big. Les desserts, ils l'ont pas, là. Va falloir que quelqu'un les aide. Par contre, les gars, mon truc favori, c'est le mec poussi. C'est bon, même. Let's go. Sortez-moi pas de ma zone, sortez-moi pas de ma zone. Hey, sortez-moi pas de ma zone, sortez-moi pas de ma zone.